Bonjour à tous. Plus de 20 millions d'interventions de chirurgie et de médecine esthétique ont lieu chaque année dans le monde et les techniques permettent de plus en plus d'accéder à la beauté parfaite et à la jeunesse éternelle. Immersons dans l'une des cliniques les plus prestigieuses de la Côte d'Azur qui promet une méthode révolutionnaire. Sophie, enchantée. Bonjour. Alors merci beaucoup de nous recevoir ici. Vous êtes thérapeute au sein de la clinique Delmar en plein cœur du Cap d'Antibes. Oui. Alors ici vous faites de la chirurgie esthétique, de la médecine esthétique, mais vous avez une méthode révolutionnaire. Voilà, la méthode révolutionnaire, c'est la méthode désir du docteur Delmar. On prend vraiment en compte la psychologie de la patiente ou du patient. Alors vous proposez quoi ici? Alors, nous avons deux pôles très importants au sein de la clinique Delmar. Nous avons le pôle santé, où on va faire des consultations, on va faire des consultations au niveau de la génétique, on va faire des soins neurosciences. Et nous avons le pôle de la médecine esthétique, le pôle esthétique, où nous avons la chirurgie avec le docteur Delmar. Et nous avons aussi le pôle de la médecine esthétique, où on va faire des traitements qui concernent le cheveu, le visage, la silhouette, l'amincissement et aussi la médecine intime de la femme. Voilà. Il faut savoir que nous sommes dans un environnement où nous avons une technologie de pointe avec beaucoup d'appareils et qui sont vraiment révolutionnaires. Et nous proposons vraiment des protocoles de soins qui vont permettre de répondre vraiment à la demande de la patiente et d'être réellement efficace sur le résultat souhaité à la fin. Vous nous faites découvrir la clinique ? Allez, je vous amène. Allons-y. Alors voici l'une des deux salles d'injection. Nous faisons donc les injections d'acide hyaluronique et de Botox. L'acide hyaluronique, donc, c'est principalement pour donner du volume au visage, ou le Botox qui va plutôt arrêter le fonctionnement des muscles qui se fait principalement au niveau du haut du visage. Voici une nouvelle salle. Nous faisons différents traitements. Nous allons avoir la radiofréquence simple que l'on va pouvoir faire sur le corps ou sur le visage qui va permettre de retonifier la peau. Nous avons le PRP. On va prélever le sang. On va les mettre dans les centrifugeuses pour vraiment séparer le sang des facteurs plaquettaires. Et ce sont les facteurs plaquettaires connus sous le nom de plasma qu'on va vous réinjecter soit au niveau du visage, des cernes, des cicatrices ou des cheveux. Ça va permettre de rajeunir ? Oui, alors on va permettre de traiter par exemple les cernes qui sont un peu cernes, un peu creuses. Au niveau du visage, ça va vraiment rebooster la peau, redonner un éclat, refaire une drainage cellulaire. Ça, pour 3 séances, ça va coûter combien à peu près? Les cheveux à peu près sur 3 séances, on est à 1 200 €. Nous avons la technologie MSCULT qui va nous permettre de remuscler le corps, donc notamment la sangle abdominale, les fesses, les cuisses et les bras. Les grands sportifs utilisent simplement 50 à 60% de leur masse musculaire. Avec le MSCULT, on va jusqu'à 100% de l'effort musculaire. Donc, il n'y a aucune machine qui peut autant travailler sur la masse musculaire. Bonjour. Bonjour Pauline. Bonjour. Donc aujourd'hui, on a rendez-vous pour le soin Cool Sculpting et MSCULT, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, allons-y, on va monter à l'étage. Merci. Alors, Pauline, aujourd'hui, donc, on va faire un petit topo par rapport à la séance qu'on a fait la dernière fois. Donc, on a pris le soin, les photos avant le soin et après le soin. Donc, j'aimerais savoir à peu près qu'est-ce que vous en pensez du résultat. Bah, j'adore. J'adore, c'est vrai, ouais. Au niveau des vêtements, vous sentez que vous êtes plus à l'aise? Bien sûr, ouais. Beaucoup plus à l'aise et même dans mon corps et en entier. Enfin, c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'elle avait fait donc comme séance? Alors, donc on avait fait le Cool Sculpting et principalement au niveau des poignées d'amour. D'accord, c'est quoi le Cool Sculpting? Alors, le Cool Sculpting, c'est une technique de cryolipolyse. Donc en fait, on va congeler les cellules graisseuses qui vont être éliminées dans les voies lymphatiques. Vous avez fait combien de séances? Une seule. Une seule séance. Une seule séance. Donc en une seule séance, on voit des résultats?
Tout à fait, oui, on perd entre 25 et 30% de la masse graisseuse. Donc, ça dépend du volume de la patiente. Mais en général, en une seule séance, les patients sont très contents du résultat. C'était quoi, en fait, votre complexe? Je voulais affiner ma taille, je voulais que ça soit plus fin à ce niveau-là. Donc, c'était principalement derrière. Donc, voilà. Parce que vous trouviez que c'était trop gros? Je voulais juste, en fait, je voulais perdre du poids, mais dans un endroit localisé. Et je ne pouvais pas le faire qu'en faisant un régime. Donc, le cool sculpting m'a aidé à localiser ma perte de poids, en fait. Et donc ça, la perte est effective en combien de temps? Alors, ça va dépendre des métabolismes. J'ai des patients qui vont, au bout d'un mois, commencer à perdre. Donc, on ne va pas perdre du poids, c'est vraiment la masse graisseuse. Il y en a, au bout d'un mois, ils vont commencer à la perdre. Et en autre, c'est plutôt, il faut bien attendre les 3 mois avant de commencer à vraiment voir les résultats. Donc, ça va vraiment dépendre des métabolismes. C'est pour ça qu'on essaye de revoir toujours les patients après 3 mois, parce que là, on sait qu'on a plus ou moins un résultat. Et après, on peut refaire d'autres séances pour finaliser, pour peaufiner le résultat. Comme aujourd'hui, Pauline, on va peaufiner le petit résultat. Qu'est-ce que vous faites, Sophie? Donc là, je vérifie bien si c'est bien accroché. Pauline, c'est bien accroché. Donc là, il y a l'aspiration. Voilà, la peau a été aspirée et on a bien aspiré le bourrelet graisseux que l'on veut traiter. Et ensuite, je vais installer Pauline. Je vais lancer la machine et on en a pour 35 minutes. Le froid est lancé, donc le froid va commencer à arriver sur la zone traitée. Qu'est-ce que vous ressentez comme sensation? Je sens que ça aspire très fort ma peau et je sens que ça commence à devenir très 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 froid. Donc, mais je m'habitue petit à petit. Au début c'était un petit peu étonnant et là je pense que d'ici quelques temps je ne vais plus rien sentir. Vous avez quel âge vous, Pauline? J'ai 22 ans. Et vous comptez faire d'autres soins esthétiques ensuite ou pas? J'adore prendre soin de moi et prendre soin de mon corps, donc si jamais j'ai envie de faire quelque chose, oui, pourquoi pas. Ça, la séance de cool sculpting, ça coûte combien? Alors, une zone, donc un bourrelet, coûte 400 euros, donc ça va dépendre du nombre de bourrelets graisseux. Vous avez un budget justement pour prendre soin de vous Pas c'est particulièrement, important. Mais quand je sais que j'ai envie de faire quelque chose, je fais en sorte de mettre de côté et de trouver le budget. Bonne continuation. Merci, merci beaucoup. Docteur Mercurelli, bonjour. Bonjour Dorothée. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Alors vous êtes médecin esthétique spécialisé dans la greffe de cheveux. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons faire une micro-greffe capillaire par cellule souche avec notre patient. C'est une technique bien particulière dont nous avons l'exclusivité en France. Aujourd'hui, vous allez faire ça sur un homme, une femme? Un homme qui a perdu ses cheveux depuis une dizaine d'années maintenant. Ça s'est bien accéléré ces dernières années. Allez-y, installez-vous. Je vous en prie. Cette technique que vous utilisez est unique en France? Oui, tout à fait. Les techniques habituelles, c'est quoi? La bandelette, où on vient prélever une bande de peau à l'arrière et on découpe cette bande de peau pour récupérer les greffons, on les implante. Ça, c'est une technique un peu ancienne et désuète maintenant. Et l'extraction d'unité folliculaire, ça a été l'évolution, qui se fait partout un peu en Europe, où là, on vient prélever le follicule intégralement. On vient prendre tout le follicule pileux et on réimplante là où c'est déficitaire. Le problème, quand on prélève tout le follicule, c'est que le cheveu prélevé ne repousse pas à l'arrière. Donc quand vous prenez par l'arrière un follicule, ça ne va plus repousser. Exactement. Vous mettez dedans, mais derrière, ça ne va plus repousser. Exactement, il y aura un petit point blanc. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est quoi? La différence, c'est que quand je vais prélever dans le follicule, je ne prends pas tout, le cheveu va repartir, puisqu'on laisse en place ces cellules souches capillaires qui redonnent un cheveu. Ça coûte combien cette technique? Alors, tout dépend du nombre de greffons nécessaires. Ça peut coûter 1 400 euros si on a besoin de prendre très peu de greffons. Ça peut aller jusqu'à 10 000, 11 000 euros si on a vraiment besoin de reconstituer tout un cuir chevelu. Et dans le cas de Martial? Alors, qu'est-ce que vous allez reconstituer? Alors, on va d'abord reconstituer la zone avant, hein, qui est ici. Et c'est ce que j'ai expliqué à monsieur, c'est que le but, c'est d'aller recréer la ligne frontale, de densifier et surtout de prévenir, parce qu'un jour ou l'autre, il va peut-être perdre ses petits cheveux. Donc, s'il tombe, le but, c'est que plus tard, le fait d'avoir implanté, on ait l'impression qu'il n'ait pas perdu ses cheveux. Voilà. Et vous allez prendre donc derrière, en exactement, bas. Toute la zone qui est ici. Mmh. On va prendre le maximum. Alors, avec Martial, c'est ce que je fais avec tous les patients, c'est que je donne un nombre minimum que j'espère atteindre. Donc, je lui ai dit qu'on allait prendre peut-être entre 1400 et 1600 greffons, mais je pense que nous allons pouvoir aller jusqu'à 2000 greffons. Ça fait combien de temps, vous perdiez vos cheveux?
Bonne question. Ça va faire, j'ai commencé à les perdre, j'ai 41 ans, j'ai commencé à les perdre après 35 ans. C'est un complexe? Oui. Ouais, ça a toujours été un complexe parce que ben, après quand on est jeune, on a des voilà, on se coiffait, on faisait. On essaye de mettre la mèche sur le côté. Oui, c'est ça. Et après quand on peut plus la mettre, c'est un peu. Voilà. Et après c'est peut-être pas pour tous les hommes pareil, mais pour moi ça a été un complexe. Ouais. Vous pensez qu'après vous vous sentirez mieux ou pas quand vous aurez tous vos cheveux? Ben, je pense, oui. Ouais. Ouais. On se reverra, je vous le dirai. Mais je pense que oui. Et vous êtes prêt à mettre le prix finalement pour avoir cette sensation Pour avoir quelque chose de qualité, oui. Ouais. Et pour vous sentir mieux dans votre peau? Oui. Vous pensez que vous allez être plus beau après ça ou pas? Plus beau, non, mais ça m'apportait peut-être, on va dire, une satisfaction peut-être sur quelque chose. Plus beau, c'est pas le but. Je pense pas qu'à mon âge. Vous allez faire plus aux femmes ou pas? C'est pas le but non plus. Ah bon? C'est juste pour moi et voilà, c'est. C'est juste une satisfaction personnelle, c'est tout. Bon, c'est stressant de se faire raser les cheveux. C'est la partie que les patients détestent. Oui. C'est vraiment un moment difficile pour les patients. Mais après, quand les cheveux repoussent, c'est génial. Pourquoi vous rasez? Pour prélever. Donc on va raser la tête. Et pour pouvoir prélever, il faut vraiment que les cheveux soient très très courts. Les hommes qui perdent leurs cheveux sont nombreux? Oui. Et la moyenne, c'est quoi? On est quand même un patient sur trois. Un homme sur trois va perdre minimum. Un homme sur trois, ouais. Et en fait, de plus en plus tôt. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'avant, les hommes commençaient à perdre plus autour de la quarantaine. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir maintenant et qui ont jusqu'à 20 ans. Comment on explique c'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de plus en plus jeunes qui perdent leurs cheveux? Alors, certaines études ont pu révéler qu'il y a des facteurs environnementaux, c'est-à-dire ce à quoi on est exposé dans sa jeune enfance, mais aussi in utero dans le ventre de la maman, ce à quoi elle a pu être exposée en termes d'environnement, d'alimentation. Et après, c'est la vie qui est peut-être un peu plus stressante maintenant qu'avant, quoi, hein, parce qu'on sait que le stress a un impact très important sur la chute. Peut-être qu'on va qui vont me rappeler, qui vont me dire on vous empoche. Ah oui. Ça vous plaît? Non, mais bon, c'est pour ça que je suis là. Respirez. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Pas trop pénible? Ben, je sens rien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc là, je vais commencer l'anesthésie. C'est un instrument qui nous permet de distribuer l'anesthésie à flux continu. Et du coup, c'est moins pénible pour les patients. Docteur, là vous êtes passé à une nouvelle étape. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? L'extraction. C'est-à-dire que je viens avec ce petit appareil percé à l'intérieur du follicule. Je rentre ce petit cheveu donc dans l'aiguille. Et ensuite, je vais vous montrer, je prends une pince pour sortir le greffon. Le greffon, ça contient un peu de tissu folliculaire et le cheveu. Et à l'intérieur de ce follicule, on peut avoir 1, 2, 3 cheveux. Donc ici, on a 2 cheveux, par exemple. Comme on extrait avec une aiguille assez fine, on a du coup un... On laisse à l'intérieur du tissu folliculaire et c'est donc dans ces petits trous que le cheveu va ressortir. Donc ensuite, vous allez greffer ce greffon devant, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, monsieur va pouvoir avoir des cheveux au bout de combien de temps? Il aura ses cheveux au bout de 9 mois, il aura le résultat. Hein. Et ça va tenir pour toute la vie? À vie.